réaliser la conversion du nombre décimal en base 10, ici 13, en un nombre binaire sur 4 bits, donc en base 2. Sur 4 bits, le nombre décimal le plus grand, ce sera 15. Donc là, il faudra prendre un nombre inférieur à 16 qu'on va convertir sur 4 bits. La procédure, ça va être de décomposer ce nombre-là en une somme de puissance de 2. Donc il faudra décomposer 13 sous la forme d'une somme de nombres utilisant 1, 2, 4, 8. Je peux commencer en regardant que 13 est plus grand que 8, donc ça veut dire que 8 est plus grand. Il me reste 5. Ensuite, 5 est plus grand que 4. Donc, je vais avoir la présence du nombre 4. Il me reste 1. 2 est trop grand. Donc, je vais prendre le 1. Et il me reste 8 plus 4 plus 1 qui fait 13. Donc, 8, c'est 4, 12 et 1, 13. Donc, ça, c'est ma décomposition. Par conséquent, je vais avoir comme nombre 1 puisque le 8 est présent. 1 puisque le 4 est présent. 0 puisque le 2 est absent. Et 1 puisque le 1 est présent. Mon nombre 13 converti en binaire est donc le nombre 1, 1, 0, 1.